Et on va commencer ça tout de suite Pourquoi ça fait ça? Et on va commencer ça tout de suite Ok, euh, ça devrait être correct Et oui c'est correct, donc le brick, ok, 182 le random. Le deuxième aujourd'hui dimanche, le 183 va sortir là. Hugo m'a dit qu'il attendait que lui soit plein pour sortir son uh, Team Select. Fait que si vous êtes des amateurs de Team Select, il va avoir le break 183 avec euh, je pense que c'est boîtes. Donc euh, ces boîtes Team Select, là ça risque d'être euh, un beau brick <laughs> Donc on va commencer ça, on va brasser la petite soupe. Hein. Euh, on brosse les dés, on doit le faire 7 fois. Donc Ça va être un beau brick, 7 fois, c'est toujours un, de bon augure. Donc on y va. Mmh. Mmh. Et voilà donc on sait que Eric, Eric Art va avoir les Bruins de Boston. Et on va commencer ça tout de suite. Eric Art de Boston, donc comme j'ai dit, ensuite Buffalo, euh, Jean-Guy Perron, Seth des Chambours à la Caroline, les Blackhawks, Francis Davidson, Kevin Lachance, Colorado, Columbus, Mick Trudel, JP Moreau qui a pris 5 spots. Il va y avoir beaucoup d'équipes. Donc, Dallas, Détroit, Martin, La Fortune, JP Moreau, Les Oilers, Karen Small, La Floride, LA Kings, Small Blackburn, Marketing, La Fortune, Montréal, Nashville, Philippe Grenier, Anarouche, Les Islanders et Les Devils, Tommy Gagnon, Les Rangers, Ottawa, Nicolas Gain, Alexandre Dion, Les Flyers, Maxime Courtois se retrouvent avec <coughs> Les Penguins, JP Moreau, euh, Saint-Louis, Tom Pabé, Eric Leblanc, JP Moreau, Les Leafs. Les Vancouver s'en va à M. Perron, Washington, à JP Moreau, son dernier spot. Philippe, Saint-Arnaud, Vegas. Coyote, Jets, à Tommy Gagnon. Wild Ducks, à Jason Wright. Et Nicolas Gaines, Saint-Nosé, Calgary. Donc, je copie-colle ça. Et on s'en va dans le live scene. Défilement. Et là, vous allez me laisser 3 secondes encore Parce que j'ai oublié l'affaire la plus importante. Les boys. Donnez-moi 2 secondes. Mais là, je vais enlever ça. Je vais le mettre là. Je vais enlever le clavier. Je reviens dans deux petites secondes. c'est what, quoi? What? Donc on va commencer avec la petite série 1, ensuite la synergie, la ice et la ingrain. Donc ça c'est des boîtes qu'on va ouvrir aujourd'hui. Donc pas pire, pas pire aujourd'hui. On va ouvrir live là. Donc bonne chance à tous. Bonne chance à tous. Et merci encore d'avoir participé. Donc, deuxième break de la journée. Il va avoir le troisième avec le team select. Du gros football, là. Hein? Est-ce que les Browns vont venir à bout de Kansas City Ça serait assez incroyable, ça. En tout cas, on sait que les Browns vont arriver avec le couteau entre les dents. Ça, c'est ce qu'on sait au foot. C'est ce qu'on sait. Mm -mm. Donc, on y va. Le couteau entre les dents, comme on dit. C'est what, what. Mm -mm -mm. Donc on est dimanche après-midi, bien tranquille. Foot au menu, hockey aussi. Bon moment là, pour les sportifs en ce moment avec le début. Parce qu'il y a des grosses games de hockey à tous les jours, ou presque. Parce que le calendrier est raccourci. fait faut les des bonnes games à tous les jours. Quand tu sports nets, en a à tout le temps. C'est vrai qu'il y en a tout le temps, tout le temps, tout le temps. Là, je pense que ça, ça a déjà été fait. Et oui. OK. Donc, on va commencer ça tout de suite. Bonne chance à tous. Bonne chance à tout le monde. Je veux les gros hits. J'aime ça, les gros hits. Let's go. Là, on va avoir un petit World, World dans -là. Donc, on y va. Bonne chance à tous. Bonne chance à tous. On commence avec une Nick Robertson. Ça commence fort, quand même. Une hein, petite Nick Robertson ici. Pour les Maple Leafs de Toronto, JP Morrow. Donc JP Moreau y a aussi Edmonton, Toronto, Washington Il n'y a pas des teams de pied de jusqu'à présent on va se le dire Les Stars Les Stars qui ont 5 Young Guns dans la série 1 ce qui va voler le show? Hey en dessous on avait une petite tabarouette J'ai même pas vu Une rookie retrospective Mais ben, ça se peut pas Ok il y avait un problème dans cette boîte là parce que là il y a trois hits consécutifs Et la la une rookie retrospective de Ilya Samsonov. Une prédominante ici. Et une... Tabarouet, ben, quel paquet payant. Et là là, c'est sûr qu'il y a une erreur là-dedans. 4... Là. hits dans le même paquet. Et hey boy. Let's go, hein. on n'arrête plus, let's go. Hey. Ok. Et là, on a une petite Philippe Zadina ici. Ok, tabarouette. 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 Ah! Chris, on a-tu un case qui est juste de même, ça veut dire? Et ça se pourrait? Petite euh, Blackhawks de Chicago, Predominant Bon, incroyable mais vrai. Jake Oettinger ici. Fait que là, on va voir plus que 6 Young Guns. Jake Oettinger pour euh, les, les Stars de Dallas. Ensuite, une Predominant de cette jaune. Et là, je vois vais pas toutes les sliver, là, Ça va être bien trop long sinon, je vais attendre. Mais là, moi, je pense que c'est peut-être notre case qui est de même. Là. Ça serait fou. Ensuite, une petite Pasternak et World Wild. Une Adam Fox pour New York. Une predominant Thomas Tatar. OK. La date, là. On a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 12, 13. 13 hits pour 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 cartes. Waouh Ça, c'est plus que 3 par, par boîte. là, C'est plus que 3 par paquet, là, je ouvert Et là là. Bon, ben il y a eu un problème à l'imprimante. Il y a eu un problème à l'imprimante, les, les gars. Les gars, faut que ça se peut que je n'aime pas toutes les cartes, là, parce que même trop de hits là-dedans. Là. faites là, let's go. Pew! Tandem Manson, UD Portrait, Predominant Joe Tartan. Ensuite... World Wild, Monsieur Marc-André Fleury. Et début date, Cody Glass pour. Wow, pour Vegas. Et on continue les hits. Let's go. On a une petite World Wild, Jacob Voracek pour les Flyers. Rookie Retrospective pour Martin Nika et la Caroline Predominant, Joe Huberdo, La Floride, Karen Simon, Une World Wild, Sid the Kid pour les Pingouins et on en a plus qu'hier. Je suis pas mal sûr qu'on en a plus qu'hier, vous le dire. Eh boy. Ok. Et on a une clear cut base de William Carlson ici. Pou, 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 pou. Yeah, yeah, yeah. Il est hit. Il est insert qui arrête plus là. Hmm? The time is up. My time is now. You can see me. Ben, ils se sont trompés. Yes, sir. Debut date. Morgan Frost. Predominant. Roman Yossi. Ensuite, une World Wild Bambi Shop. Et on a une début date de Caden Primo. Incroyable. Et vous aussi, vous direz c'est incroyable. hein Et là, 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 là. Ça en fait du stock envoyé, ça. Wouh! Mais je me demande s'il va quand même avoir juste 6 Young Guns. Ça serait le fun qu'il se soit trompé là-dedans, on en a plein aussi, man. C'est le party, man. Party every day, man. You're not a party every day. Oh. Et on va. Et les hits commences Une Nikita Kucherov Dazzler pour Tempa Bay. Une Prédominante Artemie Panarin pour les New Yorkais. Une pour les Finlandais, pour la Finlande, World Wild, Alexander Barkov pour la Floride. Ensuite, une prédominante, Drew Doughty, Drew Doughty pour Los Angeles. Et on n'arrête pas, on continue, on continue. Et une Rookie Retrospective, Capo Kako pour les Rangers. Ensuite, une prédominante, Eric Stahl, oh my god. Et une World Wild, Patrick Kane. Et une Debut Date, Capo Kako. Ça va bien, ça va bien. Une Max Patcherity, UD Portrait. Canvas Worldwide, Brad Marchand. Debut date, Kiefer Ballows. Predominant, Jordan Bennington. Ensuite, une Worldwide, Thomas Sertel pour la République Tchèque. Je peux pas croire qu'il y a plus de hits qu'il y a de cartes ensemble. Et on continue ça avec le gars qui veut s'en. Ah, c'est Zach Jurinski. Je pensais que c'était du bois. On va avoir une petite uh, prédominante ici de Carl Palmieri pour les Devils New Jersey. Une prédominante de Nikita Kucherov pour Tempo Une uh, Wild Zdeno Chara pour. Euh... Et une Cal accord rookie rétrospective ici pour l'Avalanche du Colorado. Et prédominante de John Colson. C'est le Père Noël qui est là en ce moment. Incroyable. On a une UD Portrait de Max Patch Une Corner McDavid Predominant. Corner. Et ensuite, une World Wild Jack Echo. On va peut-être les avoir, je pense. Hein? Une petite Debut Day, Telvis Manslykin. Et on continue. On va avoir une Young Gun de Liam Foodie. Pour Columbus. Liam Foodie, Columbus. Et en dessous, on a une une début rookie retrospective de Capocaco. Fait que là, toutes les inserts qui existent possibles vont toutes être sortis. Ouais. Ils vont toutes être sortis, je pense. Ensuite, on a une Capocaco rookie retrospective. Une Cal Palmieri predominant, Il y en a plusieurs qui ressortent. Une Wall Wild Jacob Juracek. Et une debut date pour John Marino l'année passée. Et là, là. On plus. On N'arrête plus. On n'arrête plus de progrès ici. Ça a l'air que c'est des. Euh, c'est des paquets boostés, ça. C'est le stéroïde. Des paquets boostés, c'est le stéroïde. Et on continue ça. Incroyable, mais vrai. Plein de. Il y a plus de hits que de cartes normales. Une Joseph Wool pour Toronto. En dessous, on va avoir... Oh shit! Est-ce que c'est le premier paquet où on a rien? Peut-être, peut-être. Une Mike Riley. Ensuite une Leandro Saddle Prey dominant Une World Wild Artemis Panarin. Et moi, il n'y en avait pas beaucoup dans celle-là. Juste trois. Et ensuite une a de Drew Doddy. La deuxième dans le paquet. Et on continue. Et je pense que là, c'est terminé. Je pense que c'est terminé. Une checklist. Et je pense qu'on n'aura plus de paquet de la mort. Et hey boy, est-ce que ça se peut? Je ne une variante. Et oui, la variante, c'est des Jets de Winnipeg. En français, Neil Pionic. C'est vrai, man. Ça aurait dû prendre Batman ici. Batman il va bientôt faire son retour au premier s'en vient, il me l'a dit. C'est une boîte chanceuse, effectivement. Super boîte. Avec plein de hits dedans, plein de petites inserts Une Dylan Coleen pour les Golden Knights de Vegas. Et on continue. Je pense qu'on est revenu à un paquet normal. On est revenu à un paquet normal. On a une petite Patrick Kane ici, UD Canvas pour Chicago. Et je pense qu'on est revenu au normal. Une petite euh, checklist. Une canvas. Josh Bailey pour les Islanders de New York. Une debut date. Nikita Goosev. Une predominant. John Gibson. Et une World Wild Corner McDavid. Est-ce qu'on a un autre d'abri Oui, une rookie retrospective. Kirby Dak, Kirby Dak. Nit, arrête plus. Et c'est parti! Et c'est parti! Une Corner McDavid Predominant! Une Wall Wild! Nathan McKinnon! Une Rookie Retrospective! Nick Suzuki! Une Debut Late Noah Thompson! Et on continue pour l'autre paquet! Une Red Duke! Donc, la deuxième Gangan pour les. Golden Knights, Neveis. Le centre du hockey en dessous, on a une Rookie Retrospective de Jack Hughes. Une Matutachuk Tachuk, pre-dominant. Une World Wild, Max Ducarello. Une Sébastien Ao, Hurricane de la Caroline. Une Pre-Dominante Sid de Kid. Une World Wild, Nikita Kucherov. Une Nick Suzuki, Debut Date. Et une Prey Dominant Tyler Bertuzzi Hey, ça fait beaucoup de hits C'est juste une boîte d'insert ici On nous reste 3 paquets seulement, est-ce qu'on a trouvé toutes nos Young Guns? On en a 3, 4, 5, 5... Bon, on aurait trouvé toutes nos Young Guns, donc on n'en trouverait pas d'autres est ce que je comprends On n'en aurait pas d'autres On va voir une die cut, je pense. Une cap Component pour le Canadien de Montréal avec Pete Marovillich Ma 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 et va Cournoyer. 1977, dans les grandes années du Canadien de Montréal, qu'elle trouve une petite cop Component ici. Nice, one. Et une petite World Wide en dessous. de Core de Austin Matthews. Austin Matthews. World Wild Austin Matthews. Predominant, Sébastien Ao. Evgeny Malkin. World Wild. Debut date Adam Fox. Debut date John Marino. Ensuite on a une World Wild Philippe Kruber pour l'Allemagne. Une Rookie Retrospective pour Queen Hughes. Une Debut date Mario Ferraro. Une Predominant, Carter Hart. Et on a une Canvas Brad Marchand. Est-ce que ça continue? Ben ça continue. Une Claude Giroux Prey Dominant, une World Wide Henrik Lundqvist et une Prey Dominant David Pasternak. Et là ça n'a aucun sens. Ceux-là, c'est la pile de, de, de insert, ok? Puis ça c'est la pile de base. Ici, on rajoute tous ceux qui sont là, la moitié c'était des inserts, la moitié c'était des bases. Incroyable mais vrai, vous avez vu ça ici chez Savage, deux fois en plus. Et on ouvre la synergie. Ben, visiblement, Dominique, il y a un défaut de fabrication, à notre avantage bien sûr. Alors qu'on a nos six young guns, je me plains pas. Ensuite, une petite synergie ici. 20, 21. On veut une signature. C'est tout ça qu'on veut. Et, je pense que... Je pense qu'il y a du métal là-dedans. Pas mal sûr qu'on a du métal dans celle-là. Je vais la placer ici. puis Je vais l'ouvrir en dernier juste pour voir si j'ai raison. Une petite synergie ici. On commence avec une base de Ryan Souter. Une Constant Threat ici de euh, Thomas Hertel. Ensuite, une petite Young Star Sébastien Ao, la 239e sur 449. Sur 449 et une petite base de Ryan Souter. Là, comme je vous dis, je pense que mon dernier paillet, je vais ouvrir. Il y a une petite plaquette de métal là-dedans. Elle me semble plus lourde que les autres. Une petite Brandy Tatchuk Roaring 20 pour les sénateurs d'Ottawa. Une petite. Oli Uwe Levy, la 341e sur 749 pour Vancouver et M. Perron Et Mackenzie and Twistle pour les Blackhawks de Chicago, une rookie base. Ensuite, on a une petite rookie journey sur 999. La journée de son, de son draft, Nicolas Baudin. la 440, 481e. 481e 491e, désolé. Une exceptionnelle future. La 42e sur 99 seulement pour la Tyler Benson et les Orders d'Edmonton. Ensuite, on a une petite base de Dylan Larkin. Une petite cost and ici pour Brad Marchand et les Bruins de Boston. Une Evgeny Malkin, l'acte 431e sur 749 pour la synergie FX. Et là, pour ceux qui se demandaient hier, regardez encore, on a une carte qui, dé, qui, qui décolle ici. Là. Donc, euh, ouais, peut-être une des raisons pourquoi que, ils sont pas super appréciés les synergies, hein, visiblement leur base il décolle. Ensuite, on a une petite uh, Roaring Twenties, Timothy Lilgren. défenseur. Et ensuite, on a une pink sur 359, la 57e, le joueur de centre des Jazz de Winnipeg, monsieur Mark Shuffley, et une base Nikita Koucherov. Imaginez, c'est une plaque en métal de la freneur, ça serait cool. Et on continue ça, on a une petite Stanley Cup Journey sur 999, la 371e, le nouveau capitaine des, des Bruins de Boston, Patrice Bergeron. On continue ça. On va avoir une petite Karl core sur 649 la 656e pour l'avalanche du Colorado. Une ex exceptionnelle Young Star et on a une petite Pégarini base. On continue ça. Une Pierre Olivier Baudin base régulier. Une petite All Star Corner McDavid. C'est à peu près la quatrième insert qu'on a de McDavid dans ce, dans celui-là. Surtout grâce à la série 1 où on a eu plus de insert que de base. Et une petite exceptionnelle star, Drew Doughty, 544e sur 749 pour le défenseur étoile des Kings. Ici, on a une petite rookie, Pierre-Olivier Joseph, le défenseur pour les Pingouins. Et là, ici, je vous avais dit, je pense qu'on a du métal. Pas mal sûr qu'on a du métal. Ben oui, on a du métal. Donc, on va y aller comme ça. Une petite Martin Cut. Une petite Stanley Cup Journey ici sur 799. Le Winning the Cup sur 799. La 604e. L'ailier gauche. Alex Ovechkin La Rookie Martin Cut. Et en dessous, on a une petite. Nice. Une Igor Shesterkin. Donc. Cast for Greatness. Nice one pour les Rangers. C'est pas Monsieur Lafreneur, mais ça s'en va quand même aux Rangers. C'est une très belle carte. Une carte en métal, justement. Donc. Euh, du métal. Ping, ping, ping. Donc, Igor! cherche Terkin! Regardez, on va même la placer. Non, on la placera pas là-dedans. Là. Ça pas dans du. Normal, on va la mettre là-dedans on va la mettre ici. Tiens, regarde, tu t'en mets ici. Tu t'en mets ici. Tu t'en mets, mets ici et voilà. Et là, on est rendu à la ice! À la et 18-19. Donc, euh, une signature. Genre de voir, ça va être notre première. Ça va être notre première de, de ce break-là. C'est sûr qu'on en a deux au moins dans la green Même voir trois. Mais là-dedans, là on est supposé en trouver au moins une. Donc, euh, on part à la recherche des signatures. On veut des signatures avec des gros noms. Hein. Let's go. Et notre première. Et là je pense qu'on commence, qu commence fort. On commence fort. On commence fort. Ça ne me dérange pas d'y aller tout de suite. On a une petite Piqué Subin base, une Ryan Getslav base, une Michael Grandlund base, Et en dessous de Piqué Subin. Donc la variation verte. On a une rookie exquisite pour les Rangers de New York. Lia Sanderson sur 299. C'est la 205e seulement. Donc les Rangers, ça va bien pour toi? Donc, une petite Igor Shesterkin en métal, une petite Rookie Exquisite. Nice one! Super! C'est une belle carte, ça. Donc, une Rookie Exquisite, du numéro 50. Et voilà, on va le placer ici. Et voilà. Et on continue. Une petite Jeff Skinner ici, Mitch Marner Base une Jordan Eberle. Et en dessous, on a une Mitch, Mitch Rienke, ici, une Rookie Premier, la 173e print sur 1299 pour les Blues de Saint Louis, Mitch Ranky. Et on a une Stephen Simcoe's Base, une Drew Doughty Base, une Michael Granlund Green. Et là en dessous qu'est-ce qu'on a? On a une Sub Zero Rookie de Kotkaniemi pour les Canadiens de Montréal. Martin Lafortune, une Sub-Zero. La 91e print sur 999. Monsieur Kotkaniemi Nice carte. Belle carte ça Donc on va la mettre devant. Je sais pas qui est mieux. Mais il va aller là en attendant. Donc, beau Harvett-Base et Monsieur Drew Doughty-Base. Non, c'était Sidney Gualdier. Sorry. Et là, qu'est-ce qu'on a? On va aller voir ici. Base. Base. La variante verte. Evener Kane. En dessous, on a une rookie première. La deuxième de Samuel Montambo Donc, le, un des derniers Québécois qui reste hein, dans la ligne Nationale. Donc... Euh, de jeunes en bas de 25 ans hein, qui sont dans les buts donc euh, ça commence à être une denrée rose pour euh, au québec les bons gardiens de but qui se font euh, qui jouent dans la ligne nationale et pourtant avant c'était une pépinière les deux meilleurs de l'histoire c'est des québécois tréperie croix et martin brodeur et là il nous manque toujours une signature et je pense qu'on va l'avoir si on a un morceau de jersey en tout cas on a une signature base. bass micorrenten base, base une nolan patrick qui est revenu au jeu cette saison, qui a même déjà un but. Donc je suis content pour lui. Et on a une signature de Wayne Simmons pour les Flyers, lui qui est rendu avec Toronto. Mais là, une signature Rink Side Singings pour les Flyers de Philadelphie, Alexandre Dion C'est toi qui as la petite Wayne Simmons, lui qui a fait la pluie et le beau de temps là-bas hein? avec euh, les Flyers maintenant qui est rendu avec euh, les, les Maple Leafs. Puis qu'on va se le dire, il a crissé une volée à Bench Europe quand il y a. Quand il a laissé tomber bien en plus il l'a. Ah! Hey boy, il a vraiment. Il a. Euh... Il a pas fait du bien. Il a pas fait du bien fort en tout. s'est même retenu pour pas être la l'aïe le plus fort. Et on y va. On va avoir une petite Matt Zucarello Green. Et en dessous, on va avoir une Sub-Zero Rookie de Brent Oden, numéroté sur 999. La 284e. Un autre petit hit pour les Rangers. Une autre rookie. Donc, Sub-Zero maintenant. Brand Odin. Nice one. Et on s'en va dans la hang maintenant. Qu'est-ce qu'on a dans la hang 6 cartes. 18-19. Là, on a des rookies. 18-19, c'est l'année. C'est ce qu'on vient de faire en fait. Donc, on peut peut-être trouver une petite code emi euh, signée. Rookie. Hum? Une petite Elias Peterson. Une petite Carter Hart. C'est ce qu'on va voir. Bonne chance à tous encore une fois. Donc, ça, je vais les mettre ici. Ça, je vais les mettre comme ça. On va cacher les cartes. Et qu'est-ce qu'on a On a du morceau de bois. On a un morceau de bois. Donc, on va avoir un petit trophée honorifique là, qui s'en vient. Et on y va avec notre première base. Et c'est une Pavel Bourrin. Quel joueur, ça, Pavel Bourrin, qui a fait la pluie et le beau temps. Dans la Ligue nationale avec ses buts. Au début de, début de carrière avec les Canucks. Et là, avec la Floride, le numéro 10. Lui qui porte aussi la 80, qui a déjà porté la 96. La 269e sur 299 pour les Floridiens et Karen Small. Ensuite, on a une petite rookie. c'est pas n'importe laquelle. C'est Rasmus Dalin qui était le premier overall à ce moment-là. Donc, la rookie. du 19 Rasmus Dalin pour Buffalo. La 30e sur 299. Jean-Guy Perron. Et là, Jason Wright qui demande d'avoir des pingouins. Je le souhaite aussi, une petite là. Hmm. Une petite émousselanée, deux, le trophée, ce sera le fun ça. On va aller en dessous et on a une petite, nice, une petite Austin Matthews bass. Mais là c'est la Silver, c'est la variation argent. Elle est seulement sur 49 exemplaires. C'est la 42 e print. Toronto, JP Moreau Donc JP Moreau, surpris de ne pas avoir dit ton nom plus souvent. En fait, je n'ai pas vraiment regardé, je n'ai pas dit de nom aujourd'hui. Mais avec 5 spots, c'est sûr que tu allais avoir quelque chose dans la grain Ensuite, on va aller. Ça va voir notre, notre rookie. Signature. Et c'est pour les Flyers de Philadelphie. Et Michael Vorobiev, la 167e print sur 249. Signature shot pour les Flyers de Philadelphie. Et Alexandre Dionne. Donc, tu as deux signatures jusqu'à présent. Tu as celle de Wayne Simmons, très au centre. Et là maintenant, tu as celle de la recrue. Signature shot, la recrue 18-19. Mickaël Vorobiev. Et je vais la placer ici en attendant. On va aller voir ensuite. Est-ce qu'on va voir notre trophée? Est-ce qu'on va voir notre trophée? Je pense qu'on va aller à notre trophée tout de suite. Et on a une Raymond Bourk! Bon Bruins Bruno de Boston! Elle est sur 100! La 96e print. Eric Hart tu te retrouves avec le trophée du Calder à son année recrue. À son année recrue. Lorsqu'il a gagné le trophée de la meilleure recrue. Monsieur Raymond Bourque Oh my god, je pense que j'ai peut-être la prochaine carte, désolé. Une petite Raymond Bourque ici pour Boston et on va aller tout de suite en dessous. Qu'est-ce qu'on a? On a une Evan Butchard, une signature rookie pour les Oilers d'Edmonton Lui qui en ce moment est en train d'évoluer avec les... On l'a vu, il a joué euh, hier euh, contre le Canadien Donc il, qui évolue en ce moment dans la ligne Nationale Evan Butchard, rookie auto Elle n'est pas numérotée par contre Pour les... Euh, les d'Edmonton qui appartiennent à JP Moreau Et si on regarde vite fait ce que j'ai eu, ok? Eh, regardez ça, j'ai jamais eu autant de hits de l'histoire des, des hits. On a tout ça des hits. Tout ça. Tout ça à cause de la série 1 qui était complètement cinglée et la synergie qui a déjà beaucoup de cartes à envoyer. Donc on va voir ça. Dans nos Young Gun, qu'est-ce qu'on a eu On a eu une petite Liam Foody, Joseph Wool, Red Duke Dylan Coglin, Jake Oettinger, Nick Robertson. On a même eu une clear cut dans notre série 1 qui était une William Carlson clear cut. On a aussi eu dans notre série 1. On a comme Component avec Pete Maolovitch et Yvan Cournoyer, qu'on se rappelait les souvenirs de la Coupe Stanley 1967, qui faisait partie une des cinq de suite que le Canada avait gagné. Ensuite, dans notre synergie, la carte à retenir, c'est la carte en métal, donc la Cast for Witness de Igor Shechterkin pour New York. Et là, quand on a notre Ice, dans notre Ice, on a eu quelques surprises. On a eu une Exposite Collection Rookies pour les. Les New-Yorkais, la 205e print, Lias Anderson, on a aussi notre petite rookie sub-zero sur 499, à la 91e, monsieur, on a pu le présenter, monsieur Cotcanini, on a aussi une Rick Sink, Rick Sing, Side Singing, de Wayne Simmons pour Philadelphie, L'impression après la Engrain, et dans la Engrain, on a eu quelques belles affaires, là. notamment la Austin Matthews, de sur 49 seulement, la 42e print, la petite la signature de rookie Rasmus Dallun et une base sur 299 de Pavel Bourin. On avait ensuite notre signature chat sur 249 la 167e pour les players de Philadelphia Imkel Vorobiev. et on a trouvé une signature rookie de Evan Butchard pour les Oilers d'Edmonton et on a eu notre beau trophée honorifique de Raymond Bourg, 79,80 lorsqu'il a gagné le cover avec sa petite moustache molle. La 96e sur 100. Call the trophy. Raymond Bourg. Nice one. Donc, euh, on se voit tout à l'heure. En fait, ça va être Hugo qui va faire le Team Select. Donc, euh, bon break avec Hugo. Et on se voit plus tard, les chums. Yes, sir. On se voit pour un autre break avec d'autres belles cartes. Let's go. Let's go.